60. Tel verre, tel vaisseau. Jesus, we are here, we are here for you, Jesus, Jesus, we are here for you. Tuko apa, wapa, Bwana Yesu tuko apa ni asifiwe asifiwe haleluya asifiwe haleluya asifiwe amen Yesu atumishiwe haleluya atumishiwe Seigneur notre Dieu, Père Céleste, par cette grâce et ton amour qui nous a mis en sécurité, nous nous sommes rencontrés ici pour une cause, c'est la parole de Dieu, et nous demandons toi, l'auteur de cette parole, de nous assister et que tu bénisses tous tes serviteurs qui sont déjà en sécurité et même ceux qui ne sont pas encore là, qui s'apprêtent peut-être à se joindre avec nous, nous les abandonnons à toi. C'est toi qui connais, Seigneur, l'ampleur de cette réunion. Voilà pourquoi, Père, nous t'invitons. Que tu inspires ton serviteur par qui tu vas parler, de manière que tout se fasse selon ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons d'être avec nous. Amen. Amen. Alors, je voulais à ce que vous les frères. Ensuite, le président Adia, je n'ai pas mis du papier, noter tout ce qui va se faire. Par après, on va décider qu'est-ce qu'on fera de ça. Parce que nous, mais nous devons poursuivre un but. Le but que nous avons, c'est l'enlèvement. Il n'y a pas autre chose. Mais je vois maintenant que le terrain de l'épouse est miné, très miné, de telle sorte que si vous ne faites pas attention, vous serez emporté. Je viens de Kinshasa. Je suis parti depuis le 26 février. J'ai suivi l'opération au mois de mars. C'était très compliqué. Ils ont échoué. Ils voulaient encore opérer. Mais je me suis dit non, j'ai un Dieu vivant. Le Dieu de Branham, il est vivant. On ne peut pas me réopérer au mois d'octobre. J'ai dit à un bon médecin qui n'a fait que reporter. Depuis mai jusqu'au mois d'octobre, j'ai dit non. Jésus a déjà guéri, parce que tout ce que Jésus guéri. Alors j'ai assisté à la mort de Barouti, de Barouti, qui est décédé le 1er juin, l'homme est décédé au 1er juillet. Et quand elle est décédée,
j'étais avec lui. Donc, j'ai fait ce que je pouvais, selon le Seigneur qui me dit, pleurer avec ceux qui pleurent. On m'a appelé à gauche, à droite, chez Kalumbo, à Barouti là-bas, et les patrons de l'Isière. On m'a appelé encore, j'oublie l'église là-bas. Il me croisait, je ne demandais pas la chair. Il me croisait. Alors, quand il me croisait, il dit, non, non, parce qu'à mon chemin, parce qu'à mon chemin. Et dans cet état-là, je faisais le feu de Dieu. Je ne suis pas retrouvé. Il dit, non, non, je suis malade, je fais cela. Et avec ça, par la foi, Dieu a fait quelque chose. Alors, qu'est-ce que je voudrais aujourd'hui vous restituer? Sinon, la nuit était prévue pour jeudi. J'ai dit, quand moi j'étais à Kinshasa, le pasteur Dembo, il est l'associé, il est associé de Barouti avant qu'il ne meure. On veut dire passer ma mère Moussé de me toucher là. Et Carlos, ils étaient trois pasteurs associés. Et quand il est décédé, ils sont restés dans l'église. Il est venu souffrir la campagne. C'est le pasteur Chenel Moïse que vous connaissez, qui l'avait invité à la Wachi. C'est parce que vous avez été là. Alors, quand j'ai vu que le temps presse, il faut que je restitue parce qu'il leur avait dit qu'il y a des problèmes dans les ASMTF. Alors, quand le pasteur qui a été élu, il nous a 4 administrateurs et il viendra vous dire tout ce qui va se passer. Et c'est ainsi que je trouvais bon, avant que l'année se termine, restituer ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé, il y a deux camps. Il y a les ASMTF et il y a les ASMTF qui sont dédoublés. Alors je vous dis toute la vérité, parce qu'on ne doit pas nous fier avec des choses qui sont fausses. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et nous sommes des chrétiens, nous sommes obligés de dire rien que la vérité. Alors, comme nous sommes des chrétiens, parce que c'était bien 9h, la pluie a un peu dérangé toute la nuit, le courant aussi est parti. Alors j'ai eu que ce soit samedi, à 9h. J'ai dit que j'accepte, il n'y a pas de problème. Parce que c'est elle qui nous sauve. Les ASMTF ne nous sauveront jamais. Parce que Branham n'a jamais parlé, nous a donné le message de leur vie. Alors pour trois fois, nous mettons des accents que Branham a donné. Nous sommes dans la 7e que nous vivons aujourd'hui. Un jour, j'étais en Europe, j'ai prêché avec la cravate. Branham dit, ce jour-là, quand nous irons dans l'enlèvement, chaque épouse de chaque nation aura les couleurs nationales. Le chef-d'œuvre, l'enlèvement, le choix d'une épouse. J'ai dit, moi, vous me voyez, c'est chez vous. Je représente l'épouse, elle est congolaise. Alors, j'ai mis ce que. Donc, le message est tellement vaste, mais il y a des petites choses qui nous échappent souvent. C'est pourquoi il ne faut pas prendre parce que c'est toi qui maîtrises. Non, l'épouse ne sera pas, amène à la perfection par un seul ministère. Sinon, Dieu est un menteur. Il a fait les incons. Les incons, nous complétons. Mais si toi, donc, tu te fermes, tu m'as regardé ta chair, j'ai dit que tu ne partiras pas. Parce que Dieu est le Dieu de sa parole. Il y a quelqu'un qui vient toujours, quelque chose, et il ajoute. Je suis une paix dans le monde, oui, par sa grâce. Là où je ne savais pas être, mais je suis un paix. Par sa grâce. Et j'ai sauvé le monde. Que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Alors, ce n'est pas ça le problème. Je voulais que les gens ne sachent pas, ils disent que voilà, il vient avec la cravate au cou du Congo. Alors, c'est la première des choses. Alors, nous allons lire un peu la parole de Dieu sur notre réunion de ce matin. Ça concerne les sept. Parce que, Vianam dit, si tu as un mauvais berger, la face de Dieu. Si tu as un bon berger, que tu écoutes, il t'amènera au ciel. C'est Vianam qui dit ça. Si tu es rebelle contre ton berger, tu n'iras pas au ciel. Ça, c'est ici qu'il y a un plan. Alors, commençons par 1 Thessaloniciens 5. Est-ce que j'ai dit 19? Je n'ai pas dit 19. Tu as tout ça là-bas.
Dice
te mettant en colère. Non. Des prières ont vécu ça. Les apôtres avaient reçu la parole de Dieu. C'est quand Pierre est allé chez Cornel, qui était italien, un soldat, qui l'a tué, qui l'a fusillé, mais il a trouvé grâce devant Dieu. Il a reconnu le message de l'heure. Et lorsque Pierre fit monter à Jérusalem, les fidèles circoncis, les juifs, ce sont les juifs, lui adressèrent des reproches. Nous sommes là, nous devons accepter des reproches. Mais défendons-nous avec la parole. En disant, Pierre, toi un grand pasteur, à qui Jésus a donné des clés. Tu es entré chez tes incirconcis. Vous voyez, ils ont quitté avec les circoncisions, la charnelle, jusque dans la circoncision spirituelle. Ça comprend qu'aujourd'hui, la circoncision doit être du cœur, de l'âme. Tu es entré chez tes incirconcis et tu as mangé même avec eux. Quelle abomination! Toi, un grand pasteur! Pas facile, nous lisons facilement, mais ce n'était pas facile. Dieu s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Pierre dit, moi j'étais loin dans la ville de Jobé, tranquillement. Et pendant que je priais, j'ai tombé en extase, en transmis. Un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, descendait du ciel et venait jusqu'à moi, sur le lit où j'étais dormi. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Mais nous, nous condamnons avant d'écouter. Pourquoi ça? Mais on propage le mensonge. Ça, ça suit. Vous êtes témoin. Je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais. Soignez-moi, qu'est-ce qui est sur la nappe là? Et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel que les juifs ne mangent jamais. C'est ce que nous étions. C'est ce que nous étions, mes frères. C'est pour nous appeler les circoncis. Et j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais j'ai dit, non, mon Seigneur, qu'à jamais rien d'essuyer, depuis, n'est entré dans. Parler spirituellement les choses qui sont naturellement suivies. Frère, si vous n'avez pas rencontré l'expérience du Saint-Esprit, je vous dis, vous tuez les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes en train de tuer les enfants de Dieu comme ça. Cela arrive jusqu'à trois fois. Donc Dieu devait nous justifier. Par le sang de Jésus-Christ. Car trois fois, c'est la perfection. C'est la chair. Mange, mange, il refuse. Cela arrive jusqu'à trois fois. Mais tout fut retiré dans le ciel. Aussitôt, comme il a fait trois fois, Dieu aussi lui a envoyé combien? Trois personnes. C'est la ville de César qui l'a construite. On l'a donné le nom de Césarée. Vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais, où à Jopé, au bord de la mer. L'esprit me dit de partir avec eux. Ça, c'est l'esprit, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ.
va. Va. Va manger ce que j'étais obligé de manger. Tu as refusé. Personne ne peut résister à Dieu s'il est élu. Les six hommes que voici, c'était des frères qui ont pris le message, mais qui étaient des juifs. Ces six frères que voici, mais c'était un, deux, trois, quatre, cinq, six. Branham dit,
sorte une douzaine de cette génération. Amen. Ça peut te vivre ça. Étroite est la porte. Resserré le chemin. Il n'y en aura que peu qui les trouveront. Ça, c'est ainsi qu'il y a pas de temps. 12. Je crois que c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Somme 17. Ce nombre, quand il dit non, moi, j'ai une église de 100 personnes, de 200 personnes. Et puis celui qui a dit c'est nombreux. Par rapport à cette écriture, il dit pas qu'il y aura 12. J'ai doute qu'il en sorte une douzaine. Oh, je sais que ce que disent les églises, si vous inscrivez votre nom sur les registres, et devenez membre, vous êtes tranquille, vous êtes en paix, loin qu'on a problème, il n'y a rien de tel dans les Écritures. Dieu ne compte pas sur les nombres. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Elia, Elia, tout en dirons au ciel. Mais nous n'avons pas d'Elia. Au lieu de chercher juste, ils vont chercher qui va. Les gens de Marie, les gens de Marie, en dirons au ciel. Au lieu de chercher qui, ils vont chercher qui. Et à ce moment-là, toutes sortes d'esprits seront au ciel. Et dans quel état au ciel, ils vont chercher qui? Ils vont chercher là. Où est Branham? Où est Branham? Frère, faisons attention. Quelqu'un pourrait me dire, mais une minute, frère Branham. Un tel, je les ai entendus parler. Je sais qu'ils y parviendront. Allez-y. Cela ne veut pas du tout dire qu'ils y parviendront. Amen. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Voilà où vous allez partir. Il est parti depuis des années. Nous avons des cartels dans les messages. Oh, j'étais à la réunion d'Antel. Oh, il a fait des grands miracles. C'est comme un pasteur qui est décédé à Kinshasa. Il est allé chez le Cameroun. Cameroun. Pour avoir le pouvoir, ressusciter les morts, et tout. Il est allé, il était devant Doudou. On lui a dit, quand tu vas rentrer à Kinshasa, tu quittes devant Doudou. Va à. Il y a une montagne là qu'on a, Mangengenge, de Kinshasa, c'est une grande montagne là. Va chez les 30, toujours 30, sans en savoir. Et cet homme est mort. Il s'est suicidé. Comme ça. Il est mort. Est-ce qu'un homme vous a aidé au ciel? Non. Comment les gens disent que nous avons reçu le Saint-Esprit à Kamosha? Venez tous ici. Est-ce que les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont dit que venez à Jérusalem? Branham, au grand tabernacle là-bas, il a dit vous tous, pour recevoir le Saint-Esprit, venez ici au grand tabernacle. Des fausses choses dans le message. Et les gens sont là, les remplissent des églises. Je ne veux rendre la vie aux aveugles. Ils pourraient néanmoins être perdus. Parce que dans ce respect de Dieu, Jean me dit que Dieu peut utiliser un cœur impur pour faire des miracles. Beaucoup viendront à moi ce jour-là. Et diront, Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom, prophétisé? N'ai-je pas en ton nom chassé les mauvais esprits? N'ai-je pas en ton nom fait beaucoup de miracles? Il dira, retirez-vous de moi, vous ouvriez d'iniquité. Et c'est ce qui se passe dans les messages. Beaucoup de prédicateurs, nous sommes devenus des ouvriers d'iniquité. Nous savons ce qu'il faut prêcher, mais nous prêchons autre chose. Nous avons ce qu'il faut conduire, comment conduire les enfants de Dieu, mais nous le conduisons qu'il soit derrière nous et non derrière le message. Amen. Je ne vous ai même pas connu. Et toi,
le chemin. Il y en aura peu qui trouveront les deux là. Laisse-moi vous donner quelques chiffres qui vont vous secouer. Ça, je saute. Allez, on s'en directement. Vous me direz, prédicateur Branham, vous voulez me dire que vous doutez qu'il y en ait une douzaine sur les millions, sur ces 4 milliards qui vivent en 59. En 59, vous êtes 4 milliards. Mais aujourd'hui, en 2024, nous sommes combien? 8 milliards. Vous doutez qu'il y en ait une douzaine sur les millions, sur ces 4 milliards qui peuplent la terre? Branham répond clairement. Je doute qu'il y en ait une douzaine qui soit en enlèvement. Alors, que chacun fasse ce qu'il veut. Il n'y a que Dieu qui doit trancher. Voilà du moins ce que je pouvais utiliser comme écriture, à moins que j'oublie. Non, non, il y a aussi quelque chose encore. Exposé de cet âge de l'Église, oui. Exposé de cet âge de l'Église, c'est la dernière écriture du prophète. 340 et 341. Exposé de cet âge de l'Église de 1965. Branham l'a réélu. Lui est réélu. Jusqu'à même, il avait donné ça au papa. Tu n'es pas là. Tu n'as pas trouvé. Exposé de cet âge. Non. 340. 40. Ok. Ils sont intelligents.
Ils sont de la lignée de Caïn, de la semence du serpent. Oui. Oh, élu de Dieu, prenez garde. Étudiez attentivement. Faites attention. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Appuyez-vous sur Dieu et fortifiez-vous par sa puissance. Votre adversaire, le diable, est en train de rôder comme un lion gisant. J'ai jamais dit, il va. C'est là qu'ils sont liés. Bientôt, le blé va être engrangé. Mais en ce moment, les deux esprits sont à l'œuvre. Dans deux vignes, sortez des milliers délivrés. Commencez à vaincre pour pouvoir faire honneur à votre Seigneur. Et pour être digne de régner et de gouverner avec lui. Donc, déjà, des mots sur cette vidéo. Maintenant, c'est des mots ici. Voilà, mes frères. Là, on nous acclame le message que nous avons donné. Merci beaucoup. On a appelé beaucoup de gens. Et c'est comme ça. Dans les bases, c'est comme ça. Donc, nous vous disons. Maintenant, le titre. C'est la réunion des institutions des deux assemblées extraordinaires générales électives en 2024 au Zoé Tabernacle du révérend pasteur Leonard Kayumideya par l'ancien Vimidi Lamwana Manyanga André et par le un tiers des membres effectifs qui a convoqué par une pétition des ASPTF ASPL au siège des ASPTF ASPL avenue de l'université numéro 206 quartier Rigini localité Kemi commune de Lemba ville province de Kinshasa. Donc il s'agit, mettez là au tableau, mettez au tableau les titres, c'est déjà ça y est. Voilà. Réunion des restitutions. Dossier ASMETEF, ASMEL. Assemblée corrige assemblée. Des assemblées générales. C'est une assemblée. C'est une assemblée. Plusieurs assemblées générales corrigent aussi. Hein, mon ami? Faut pas qu'on aille. Parce que tout ça, ça va partir. C'est une assemblée générale maintenant et extraordinaire S. Électif là, il n'y a pas de problème. Du 3 septembre et 7. Donc des 3 et 7 septembre, c'était deux assemblées qui ont eu lieu. Des 3 et 7 septembre 2024. Vous savez que moi j'aime beaucoup de l'eau froide. Si vous serez allé d'expliquer aux autres, si vous allez garder secret, et moi, j'ai fait la restitution. Tandis que de la couverture du message du temps de la fin, historique. De la couverture du message du temps de la fin. Au Zaïr, RDC, jusqu'à. De la couverture du message du temps de la fin. Au Zaïr, RDC, jusqu'à Saint-Dreuf, ASPL. Je peux avancer. Et du Zaïre. Là, c'est dans les années 84, je me rappelle bien. Je suis un des anciens, des messagers d'entre eux qu'on voit.
Israël a marché en 76. Et 5 ans après, j'ai eu le message à 81. Je ne suis pas de la dernière pluie. Il y a 16 ans, des années 84. Ça, c'est le petit point 1 ou A. 2, il y avait la voix de l'aigle du 26 avril 1991. La voix de l'aigle du 26 avril 1904, qu'est-ce que je dis? 3, F, aspect R. Et jusqu'aujourd'hui, en 2024. Donc, un, c'est Misa, des années 84. 2, la voix de l'aigle du 26 avril 1991. 3, les aspects R. Là, il y a un petit point à chercher dans des papiers pour être couvert et prêcher librement et faire sortir les Timothées qui sont venus après nous. On ne les arrête pas. Ils n'ont pas de besoin de juridique. Il y a là la source. Donc, l'unique message que nous avons. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? C'est ce qui nous a ouvert le chemin de chercher les papiers de l'État pour être couvert, pas pour aller au ciel. Parce que je précise bien. Parce qu'aujourd'hui, ça devient comme si ce sont les anciens thèmes qui vont nous amener. Mon adhésion, moi, aux assemblées faciles. Vous pouvez guider l'adhésion au pasteur Yvonne. Quand je dis, je sais pourquoi. Ça va nous ouvrir. Ça va nous ouvrir, ça va nous forcer à comprendre les choses. C'est en 2004. Donc, mon adhésion aux assemblées faciles en 2004. Avec une preuve. Plus cotisation après avoir vu la personnalité juridique qui est l'arrêté ministériel numéro 0063 Barca Bar M M Justice d'Arc des Sceaux J et GS 2002 du 2 avril 2002. Et publication dans le journal officiel de la RDC le 15 novembre 2002. Je vais vous dire tout ça. Et on m'a donné des papiers que je suis venu, j'ai introduit au gouvernorat. J'ai déposé à la division de justice, à la mairie, pour qu'on ne puisse pas déranger les gens qui prêchent le message. Et moi-même, j'avais été à Barouti en 2004. Après m'avoir affilié, j'ai payé les cotisations. Je lui ai écrit que je me représenter les ASNTF au Katak. Parce que dans les villages, on fait souffrir les gens. Dans d'autres coins. Et il ne répondra que attendez le moment viendra. J'ai tout ça ici. Ça, c'est le quatrième point. Cinquième point. Le mandat du premier conseil d'administration. Le mandat du premier conseil d'administration. Du 2 avril 2002. Je ne vais pas me sur ça. C'était le mandat de combien? Or, depuis 2002, jusqu'aujourd'hui 2024, ça fait combien? 22 ans. C'est pas 22 ans. C'est 22 ans. Quel est ce mandat-là qui perd jusqu'à 22 ans? Parce que les gens ne connaissent pas les choses qu'on dit. On peut le mettre par manque de quoi?
Et on cherche à tirer les gens derrière soi, au lieu de tirer les gens derrière Jésus-Christ. Et le début de la brouille entre les administrateurs du premier conseil d'administration, vous allez tous les connaître, ils étaient qui et qui. Et où est-ce qu'ils s'en sont arrivés? J'ai la lettre officielle reçue au ministère de Justice le 28 août 2024, ayant pour objet transmission d'invitation et agenda de l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire élective des ASPTF, ASPL, le 7 septembre 2024. Et le sixième point, les dispositions électives des ASPTF, ASPL, à partir du 5 août 2024, on venait de nommer Moutam, ministre de Justice. Et lui, il s'attaque déjà aux églises. Vous devez brandir vos personnalités juridiques. Et Malouki, qui était avec les SMTF, a été abandonné par les autres. Lui aussi, j'ai des bruits en s'accordant un mandat de vengeance. Après avoir été abandonné. Il n'a pas pu restructurer les autres en partant, les autres en mourant. Au lieu de restructurer, il est resté seul. Maintenant, à savoir qui est encore à la tête, personne. Maintenant, on se dit qu'il y a un problème. Qu'est-ce que nous allons faire face à Moutam? C'est alors que les membres qui cotisent comme nous, Jésus, dans notre foi, les communiquer, porter la candidature, on va réaliser le 16 septembre, selon les délais, 20 jours, pour informer tous les membres. C'est que le porter la candidature pour être des acteurs. Parce que j'étais reconnu dans les archives. C'est là que j'ai été informé. Et alors je suis descendu, on m'a expliqué toute la situation, par la question de la tête. Il faut que ce soit fait pour que les sangs tombent sur ce qui veut tomber. Mais je dirais, les dédévoyés, il est là. Beaucoup de choses se passent dans le monde. Les ministres de l'Ouagie ne se réunissent pas. Et ça, c'est vraiment un grand handicap. Les événements de succès étaient vraiment plus rapidement. Donc, je dirais après, s'il y a rien. Bien aimé que je vous dise ces choses. Permettez que j'échappe mon avec des écritures, parce que ce sont les écritures qui vont nous sauver. Projetez-nous un peu la fin de cette tempête. Du 19 juillet 1964, pendant que j'ai terminé avec le paragraphe 151, pendant que j'ai terminé avec l'ordre du jour, 8 précipitations d'élection. Du nouveau conseil d'administration, au Zoé Tabernacle, par les non-membres cotisants adhérents des ASMTF, provoqués par la sécurité. Ils ne cotisaient plus. Ceux qui l'ont voté n'ont jamais cotisé. Vous comprenez alors que nous avons les statuts et les règlements de l'intérieur. Il a pris nous, c'était les 7 et les 7. Nous, il a résulté les 3. Sans respect des dispositions qui nous régissent. Dans le 8.1, il y a la composition des 4 administrateurs à Saint-Effet-Vigina. Après avoir mis un paquet de plus de 20 dollars. Qui m'a ordonné, c'est lui, les 28 heures, mon frère de 1993,
J'étais logé dans sa propre maison. Moi, je connais tous les esprits de Mouchon. J'ai pas qui tient ça. J'ai qui n'a rien qui j'ai vécu ça. J'ai pas qui s'en a mis. J'ai vécu les tablettes, les bondés, les cabarets. Est-ce que je n'ai pas été? Quand on a été à l'état, on en a trois encore. J'ai quand même une petite histoire du message dans notre pays. Et j'ai oublié chaque prédicateur, les grands et les anciens, chacun. J'ai eu des débats avec chacun. Et je pouvais le dire par la grâce de Dieu. Parce qu'on a dit dans ce cas-là, il y a des cœurs. Dieu me poussait quelqu'un à faire quelque chose de mauvais pour te détacher de lui et s'attacher à qui? Il dit peut-être qu'il ne le fera pas volontairement. Pour qu'il dise, ah, c'est comme ça qu'il est. Tu t'attaches à Dieu. Moi, je ne vais pas avoir fait ça pour les gens du Canada. On m'a aidé pour superviser le Canada. Au Canada, voilà, Tanganyika, Lomami. J'ai déjà pris là. J'ai prêché là. J'étais de la voix de Dieu. J'allais partout, jamais de bouche, je n'étais pas. C'était quoi? On m'a combattu, je me suis écarté. Les souris m'ont combattu. Allez, c'est ça. Moi, je suis. Les choses de Dieu vont passer, je suis dit. Alors, vous venez de témoignage. Neuf, le procès verbal de notre assemblée. Qui s'est tenu dans la légalité, dans les délais, le 7 septembre 2024. Lui a envoyé que nous ferons les 7. Lui a précipité les 3. Et toutes les assemblées devraient être supervisées de la justice. Mais quand il a précipité, ils l'ont interdit de donner de l'argent. Il ne faut pas aller là-bas. Il n'est pas venu. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des preuves. Dix. Travail de révision du statut et règlement de l'intérieur. J'ai été le président de la commission. J'ai révisé tous les statuts, tous les règlements de l'intérieur. Je t'ai révisé de la commission. Fais-moi les statuts. Il n'y a pas de statut. Le règlement de l'intérieur est ici à l'intérieur.
C'est ainsi que Lukamba est allé aux États-Unis.
avec Caïn. Non, quand il n'était pas parti. Avec ils étaient à deux. Ils ont proposé de voir Joseph. Joseph a dit, c'est compliqué. Si moi je vous mets ici, notre État va commencer à me demander des taxes. Que tu as beaucoup d'argent, ces gens-là te donnent de l'argent. Il dit c'est compliqué. Alors, ils ont réfléchi. Ils ont dit, bon, est-ce que pour faire entrer les brochures, les bandes, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait quand même une autorisation de demander à l'État congolais que par ton canal, tu vas faire entrer les brochures, les cassettes à ce moment-là, pour qu'on puisse nous laisser. Et comme le frère Lucas Peter, il a dit ça c'est possible. Mais je n'aime pas qu'il y ait un prédicateur à la tête. Parce que le prédicateur embrouille. Je vais prendre un laïc. C'est cette décision que j'ai prise. Et dit c'est toi mon camp qui va me représenter. Parce que les prédicateurs, ils font toujours du tout. Mon camarade, c'est un homme d'affaires. J'ai l'homme qui me dit, c'est toi. C'est alors mon camarade est venu. Il a donné les rapports. Et ministre des Dames, des Sceaux et des Justices. Alors c'est par lui qu'on avait fait un dossier difficile à la somme. À ce moment-là, nos anciens étaient. Entre les mêmes personnes qui peuvent prêcher dans la chair de l'autre. Vous comprenez l'héritage, c'est moi qui me déplace. C'est cette idée, cette expérience-là que j'ai. C'est ainsi que, maintenant, ils ont suivi des dossiers par plusieurs moyens. Quand ils étaient ensemble, encore. Et c'est là, à ce moment-là, c'est mon bout tout seul qui a délivré la personnalité juridique. Toutes les églises. C'est lui. C'est ainsi qu'il signera cette ordonnance. Ordonnance numéro 5, 1344, du 26 avril 1991. À ce moment-ci, je suis à Kalimi. Je suis parti à l'intention pour venir au de la Saint-Esprit. Mais j'allais vivre à Kinshasa. C'est là que j'ai eu ça. Comme j'avais aidé les bibliothèques de la décalémie, j'ai donné des bandes de projets du côté des rails, du côté du lac Tanganyika, où tu pourras au cafou, c'était moi. Alors j'avais besoin de ça pour me couvrir. Écoutez les libérés. Le président de la République, vu la Constitution, spécialement ses articles 26. 26, c'est combien là? Et 45. Hein? Pour les associations sans but lucratif, les ASBL, 105, pourtant, mesure d'exécution décret loi de 65 relatif aux associations sans but lucratif, vu la requête en obtention de la présente civile du 30 1988, introduite par l'association sans but lucratif, la voie des lettres. C'est ça. C'est le premier document à être signé pour nous couvrir quand vous les jeunes vous avez rejoint. Voilà le document qui vous a donné la liberté qu'on vous ne poursuivez pas. Sur proposition du ministre de Justice, c'était notre frère là, mon cabinet déjà mort. Il priait chez la Montina. Ordonne, à titre premier, la personnalité civile est accordé à la source, est accordé à l'association sans but lucratif, la voie des nègres. C'est social et fixé à Kinshasa. Sur l'avenue Bongolo, numéro A75, Yolo Nord, dans la zone des Canaries. C'est là que ça fait des années et des années. Et c'est là quand j'arrive à Kinshasa, j'allais payer les cotisations. Et pour Kalimi, et pour l'image. Et notre image, je ne vais pas vous dire, ça c'est mal. Cette association a pour but l'organisation des conférences,
C'est là, c'est là. Au lieu de lire tes prédications, là, on allait nous traiter. On a contourné ça. Comme j'ai fait la conférence là. Tout ce que vous avez des conférences, on est des prédications. On a contourné tout ça. Par l'organisation des conférences, la distribution des livres et des bandes cassettes, la projection des films sur le message de la fin, tel qu'apporté par le prophète de Dieu, William Branham. À cette fin, l'association construit des bibliothèques ouvertes au public pour la lecture et prêt de toute documentation sur le message de Branham. C'est là qu'on a consacré une voix de Dieu. On a ouvert à Calélie. On a ouvert à Kinshasa. C'était au fur et à mesure, à partir des années 82, et Joseph est venu pour la première fois avec Philippe Paul en 86 à Kinshasa. Ils ont trouvé cet état premier. Ils disent que tous ces gens ici, pour aller dans le feu maintenant. Ils disent oui, pourquoi? Jésus, les églises n'arrivent pas à lui. Pour la lecture, les prêts de toute documentation sur le salaire maintenant. Article 2. Et approuvé la nomination en date du 30 mai 1998 par la majorité des membres effectifs à l'association, des personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leur nom. Il y a des membres qui ne savent pas comment dire ça. Où est le titre? En regard de leur nom, Lunkamba Omokoko Odima. Comme Joseph avait demandé que le prédicateur ne doit pas être au privat, ce sont des employeurs, c'est le frère Lunkamba, ministre des Justices, administrateur général. Kayou Libéya, premier administrateur. Barou Dikasoro, deuxième administrateur. Article 3. Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à adopter le 26 avril 1921, Mobutu, CCCO, Kumwetu, Ouazaba. Voilà les premiers documents qui nous a voulu, qui nous a aidé, vous qui nous avez rejoint. Nous sommes reconnaissants de l'histoire faite. Ni l'unité de la marque. Au fur et à mesure qu'ils avancent. Maintenant, après ce document, on peut tout bien faire le coup d'État. C'est Moussé qui est en train. Moussé n'a fait que quelques jours, quelques trois ans, je crois. Il est mort. Mais on a reconnu son fils, qui a fait 18 ans. Maintenant, lui, il ne voulait plus de signer les lois des ordonnances. On a donné cette attribution au ministère de Justice. C'est le ministère de la Justice qui gère les églises. C'est quoi le chiffre de la division de justice nous dérange à tout moment. Donc ça, c'est tombé. Parce qu'on nous dit quelque chose. Approcher les personnes. Et c'est là que nous sommes là en 2002. Et qui était au pouvoir à ce moment-là? C'était Joseph. Il est mort en 2001. Voilà. C'est à ce moment-là maintenant que Joseph, il a rétrocédé des données des personnes juridiques à qui? Au ministère de la Justice. C'est là maintenant que ça, c'est parce qu'il dit là qu'il rapporte. Moi, j'ai dit la vérité. Il dit que quand on avait envoyé tout ça, j'ai ça, on n'a pas le temps de projeter. Si on ne termine pas aujourd'hui, on va voir, parce que vous avez le temps pour aller méditer, on a eu jusqu'à 13h30, si vous m'accordez. Mais il faut le commencer. Voilà qui l'a représenté. Par quelle marche
par délit 2, du 2 avril, délit 2, en comptant la personne juridique à l'association sans but lucratif professionnel, dénommée Assemblée chrétienne du message du temps de la fin, en sigle ASMETEF. Le ministre de la Justice est garde des Sceaux, vu tel que modifié, vu la loi, vu les décrets, vu la requête à l'obtention juridique, de la présomption juridique, datée du 28 janvier 2002, introduite par l'association sans but lucratif professionnel, désormais est dénommée les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, en sigle ASMETEF. Ça en tant qu'Europe en 2002, Roger a adhéré en 2004 pour l'église de Calimé, ici je n'ai pas d'église, mais quand on s'est là, j'étais déjà ici à mon marché, parce que quand on s'est Calimé est tombé, j'étais ici et c'est là qu'on était à Echara, c'est là qu'on a fait baptiser en février. À un moment donné, à Oudi, et c'est lui le premier à le faire. Ils se sont entendus que c'est les conseils d'administration qui devaient statuer pour la sorte de papier. Ils m'ont envoyé une transmission de santé juridique de notre association au gouverneur. C'est ça. Ils sont la presse peut retenir que les ASMETEF restent une et indivisible, c'est-à-dire que les ASMETEF ont leur siège sur 206 avenue de l'université, commune de Lemba, dans la ville province de Kinshasa. C'est ça les sièges nationaux. Ici, d'ici là, bientôt là, je vais chercher où on peut installer les sièges provincial du Grand Katanga, parce que je suis appelé en tant que quatrième administrateur à superviser le Grand Katanga démembré, entre autres au Lomami, Lualaba, au Katanga, Tanganyika, et quoi encore, je crois que ce sont les quatre, au Lomami, Lualaba aussi, Lualaba, voilà. Alors c'est ainsi que tout ce que je peux synthétiser, la presse peut retenir que, et même diffuser, et que c'est vrai, il y a des gens qui cherchent la popularité. Ils ne viennent pas, ils ne cherchent pas l'amour fraternel. Pourtant, nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Nous ne voulons pas que le message de Frère Branham puisse avoir des souillures. Mais nous regrettons les gens qui ont leur propre papier, comme le passé vous dit, là, il a son propre, ses propres papiers, sa personnalité juridique pour son église Tabernacle de Mujumaï. Et le pasteur Kayoubeya, il a son ses papiers, et sa personnalité juridique pour Zoé Tabernacle de Kinshasa de Mujumaï. Mais il vient encore s'immiscer dans les ASMETEF où ils ont quitté, ça fait 12 ans, plus de tout ça qu'ils ont quitté. Sans cotisation, sans quoi. Ça, c'est chercher du trouble. C'est chercher vraiment ce qu'on appelle, on appelle ça comment en droit. On appelle ça. C'est quoi là? Trouble. Donc, trouble public ou non? C'est pas trouble public. Or, nous sommes des chrétiens. Si on est chrétien, on peut s'asseoir ensemble, parler, trouver des solutions. Le salut n'est pas dans les ASMETEF. Hein? Le salut est dans le message que Fabanam nous a apporté. Pas des ASMETEF. Tout le monde qui courait le message de Fabanam, le monde entier, n'est pas dans les ASMETEF. Ils ont les papiers qui les couvrent. Les ASMETEF nous couvrent tout simplement. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Branham dit que je doute qu'il en sorte une douzaine pour aller dans l'enlèvement. Donc je crois que ceux-là qui sont pour nous, qui ne se découragent pas, nous avons fait des recours
pour que, dire que ce qu'ils ont fait le 3 septembre, là, leur assemblée générale est extraordinaire. C'était une précipitation en dehors de nos statuts que nous avons. Au lieu de l'organiser en 20 jours, il a organisé, si c'est en 7 jours, tout ça pour. Ils nous ont refusé même que le directeur chargé des cultes et des confessions de venir nous assister à Kinshasa. Ils nous l'ont refusé carrément. Vous voyez, les choses de Dieu ne s'efforcent pas. L'amour parfait va entrer là-bas. Bientôt, nous sommes dans la 7e vision de William Branham, le roi du Nord, la Russie, qui s'élève contre les Occidentaux. Bientôt, le Branham a dit qu'avant que ça arrive, l'Église doit partir. Avant que les États-Unis soient brûlés. Trump, il est là, c'est pour, comme il est imprévisible. Il peut ordonner que les missiles commencent à partir. Poutine va réagir. Mais avant que la bombe atomique éclate, le pouce sera parti. Je ne sais pas pourquoi les grands hommes, comme il passait midi là, ils me mettent sous la liste noire parce que je l'invite à la réconciliation. Et il me traite que je souffre de la démence, chose qu'il n'a jamais dit pendant si c'est 30 ans que je suis avec lui. Franchement, je suis désolé, l'amour de beaucoup se refroidira, comme la Bible l'a dit, on se haïra, on se trahira. Et je commence à voir ces choses-là, mais ce n'est pas encore tard. Tant que l'homme vit, Branham dit qu'il peut toujours revenir en lui-même. J'appelle vraiment à nos anciens à revenir à des bons sentiments chrétiens. Et ce sont eux qui devaient donner l'exemple, mais ils donnent les mauvais exemples. Ce n'est pas correct. Voilà, je remercie la presse. Vous pouvez vraiment assurer une large diffusion auprès de tout le monde, hein, que ceux qui veulent savoir la vérité. Moi, je suis là, j'ai été à Kinshasa, j'ai assisté à tout. J'ai enterré Baruti, j'ai enterré Landou, j'ai enterré beaucoup de pasteurs qui sont décédés. Bon, qui ne va pas partir? Tout par rapport au dédoublement, comment vous réagissez? Mais si ce recours est déjà fait, le recours est déjà fait et tout marche bien. Un jour ou l'autre, vous entendrez qu'on va annuler et supprimer toutes ces choses-là qu'ils ont faites dans la fraude, dans la tricherie, dans la haine. C'est ça. Donc, que ceux qui sont de notre puissent toujours nous faire confiance. Car un jour ou l'autre, l'autre avait choisi le premier. Mais il ne savait pas que c'est Sodome et Gomorre. Mais Abraham a choisi le dernier. Mais c'est la terre promise, vous comprenez. C'est le deuxième choix qui vaut la peine que le premier. Il a précipité son assemblée générale le 3 septembre. Alors que nous, le 20 jours, c'est du 8 août jusqu'au 7 septembre. Donc vraiment, il est entré dans l'ascenseur du diable. Mais nous n'allons pas les escaliers. Merci beaucoup.